Bravo. Alors, je vais vous présenter les différents costumes parce que c'est bien beau de danser, mais il faut essayer de comprendre aussi la signification de nos costumes. Donc je vais appeler d'abord les costumes les plus riches. Donc on représente Viana do Castelo, la région Minho, donc nord du Portugal. Et donc je vais vous présenter d'abord les costumes les plus riches de Viana. Donc à Angela Bladel, si vous pouvez vous avancer. Alors, les costumes, le costume rouge. Souris. Cheers. Por favor, continua a apresentar os trajes de Viana. Estão os trajes vermelhos, são os mais ricos de Viana. Estão todos bordados à mão. Demande aux filles de se tourner pour montrer au coulette qui est tout brodé donc à la main. À part de si, mais pas de clash. Voilà, regarde. Donc ça c'est le traje de veste volumé. Et le traje de la bladera de Thor, Céline. Donc c'est le costume de Céline et le mien. C'est des costumes riches aussi, mais plus pour les jours un peu plus tristes. En fait, quand notre mari partait à la guerre et qu'on restait toute seule à la maison, bah, on ne mettait pas le costume rouge, on était un peu triste. Donc on mettait le costume un peu plus sombre. Voilà, merci Céline. Le costume de Domingo, l'antigo de Alioza. Donc pareil, ça c'est aussi un costume riche pour aller à la fête. Tu peux te retourner aussi, tout ça aussi, brodé à la main. Le costume de Cap. Donc celle de Cap, on peut remarquer qu'elles n'ont pas de chaussettes. C'est normal, c'est parce qu'elle travaille beaucoup en fait. Et ouais, elle mettait les pieds dans la terre, donc pas besoin de chaussettes. Donc c'est pour ça, donc le costume, vous pouvez vous tourner aussi, est beaucoup moins travaillé, beaucoup moins brodé. La robe n'est pas brodée par rapport aux autres costumes. Merci les filles. Le costume de travail. Donc c'est fait. Alors elle n'a pas du tout de chaussettes. Donc tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est le costume de travail aussi. Pareil, traje de travail. Je vais vous présenter aussi nos quelques garçons. On va faire d'abord les trajes de Lianès. Vous n'avez pas vos manteaux, les garçons? Quand même. Manteau et chapeau. C'est tout de suite plus élégant. Voilà. Donc ça c'est le traje de Viennes. À Viennes. Nos costumes pour aller à la fête. Hein, avec leur petite ceinture rouge, le petit chapeau, la petite veste. Merci. Et costume homme de champ. Donc traje de camp. Donc pareil avec des grosses chaussures pour aller travailler dans les champs. Un costume très simple tout en lin, pas de brodage, rien du tout. Enfin de broderie, pardon. Rien du tout. Donc voilà, va travailler au champ. Je pense que j'ai fait tout le monde. Donc on va continuer à faire notre présentation folklorique hein, avec la prochaine danse. Thank you.